tant qu'on n'a pas fait un petit atelier, c'est un peu compliqué. Alors ça, c'est peut-être vous, ça, au début. Puis après, hop, au bout de quelques petites heures, on commence à tourner comme ça. Donc il y a avant et il y a après. Donc bienvenue, moi c'est Patrick. Là, le sujet c'est les ateliers plaisir, les ateliers malins pour les particuliers qui veulent apprendre le fameux geste du rosel, qu'il soit rond, qu'il soit plat, notamment pour faire de très jolies crêpes et de belles galettes de sarrasin. Voilà, donc moi je vais vous apprendre à faire des bonnes pâtes, à guérir le bon geste, et puis c'est surtout un moment de plaisir, de fou rire, etc. 10h, 15h, on passe 5 heures ensemble avec le déjeuner du midi, dont un dessert surprise que je vous réserve. Et puis, bah, vous aurez votre attestation. Certains disent diplôme, mais bon, c'est une attestation rigolote. Et puis, bien sûr, vous aurez aussi un petit livret, trucs et astuces de recettes, etc. Vous avez envie d'être 6 copains, amis et voulez vraiment l'atelier que pour vous avec moi, bien sûr, il est évident qu'il faut m'appeler, que je trouve une date, que je réserve une date pour vous. Voilà. S'il y a des enfants qui ont envie de le faire, il faut qu'ils soient suffisamment grands déjà. 1m30, 1m40 parce que vous voyez, c'est quand même assez haut. Et puis là, sur le bord, on a 200 degrés, 250 degrés au centre et ce serait dommage de se brûler. Donc ça se déroule à Saint-Nazaire. Donc Saint-Nazaire, c'est aussi là, on est à, je suis à 120, 130 mètres du chemin des douaniers. Donc c'est peut-être l'occasion de faire une petite journée à la mer. Il y a une superbe balade là au long des 20 criques et des petites plages. Voilà, pensez-y. Puis à côté, il y a la Brière. Puis peut-être visiter la base sous-marine. Et puis les chantiers. Bon, vous ferez des crêpes d'abord. Allez, salut. Bye bye.